Le procès du jeune de 17 ans qui a causé la mort de Maryse, âgée de 74 ans lors d'un vol à l'arraché l'année dernière à Notre-Dame-Limite, s'est ouvert aujourd'hui à la cour d'assises des mineurs d'Aix-en-Provence. Ce procès va durer 3 jours. Dans le box des accusés figurent 3 personnes, l'arracheur du sac et 2 receleurs. Tous étaient issus de la cité du parc Caliste. Écoutez la réaction du fils de la victime. De la fermeté. Voilà. C'est malheureux, mais il faut... On a toujours l'intention d'être gentil soi-même, mais là, on ne peut pas. Je ne peux pas être gentil. J'attends la fermeté qu'il soit puni. Avoir une mort comme ça, c'est terrible. Et en fait, on voit que c'est quand même des mauvais garçons. Ils n'ont pas... Au final, ils ne sont pas... Ils font souffrir leur famille. Ils font des actes que... Je ne sais pas pour qui ils se prennent, si c'est la télévision, mais... C'est des gros lâches, voilà. Donc... On est sous la peine, la peine passe avant tout. Mais bon, la haine est toujours un peu là quand même. 2 ans, ça part tout atténué. Malheureusement, on subit.